Onesphore Sematumba, bonjour. Bonjour. Comment expliquer ce regain de tension entre la RDC et le Rwanda? Ces regains de tension résultent essentiellement de la reprise des activités militaires, donc des attaques du mouvement du 23 mars, plus connu ici comme le M23, qui est un mouvement que le Congo soupçonne et maintenant affirme être soutenu par le Rwanda. Des accusations évidemment que le Rwanda réfute. En contrepartie, le Rwanda accuse à son tour la RDC et son armée de faire recours aux FDLR qui sont les rebelles hostiles au gouvernement de Kagame. Donc ce sont ces accusations réciproques qui font que les tensions se soient attisées ces dernières semaines. On avait pourtant le sentiment que la situation s'était apaisée ces derniers mois entre les deux voisins. Oui, on dirait même plus hein, que la situation entre les deux pays connaissait une embellie sur le plan, en tout cas diplomatique, notamment depuis l'élection de Tshisekedi qui a pratiqué une politique de bon voisinage tous azimuts et qui avait à cœur d'harmoniser les relations avec tous ses voisins, y compris et surtout les voisins de l'Est. Mais l'embellie n'aura pas duré l'espace des mandats et donc les relations se sont de nouveau détériorées justement à cause essentiellement de ces tensions ou de ces attaques de ce groupe rebelle qui sème un peu la discorde en fait entre les deux pays. Kinshasa accuse donc l'armée rwandaise de soutenir le M23, cette rébellion vaincue en 2013 mais à nouveau active ces derniers mois. Onesphore Sematumba le soupçonne d'un soutien du Rwanda à cette rébellion. Il a en réalité toujours existé. Oui, et c'est aussi dû à l'histoire récente, en fait, hein, parce que presque toutes les rébellions récentes, en tout cas à partir des années 90, toutes les rébellions sont parties de l'Est et presque systématiquement, le Rwanda a accompagné, en tout cas, les premières rébellions. Donc, on soupçonne que cette culture-là n'a jamais vraiment cessé et que les enfants ou les résultats de ces rébellions pro-rwandaises n'ont pas coupé le lien ombilical avec le Rwanda. Si Kinshasa a tapé cette fois du poing sur la table, est-ce que c'est pas aussi pour que la communauté internationale mette la pression sur Kigali? Oui, bien sûr. Et ce n'est pas un hasard que la principale mesure, en fait, la plus forte de Kinshasa, c'est d'avoir qualifié le M23 de mouvement terroriste. En fait, c'est un appel à toute la communauté internationale de se coaliser pour l'éliminer. Bien sûr que ça rentre dans une sorte de stratégie diplomatique. Une dernière question, Onesphore Sematumba. Une médiation de l'Angola peut-elle, selon vous, permettre de faire retomber la tension? Je l'espère, sincèrement, parce que les tensions sont tellement fortes qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une dynamique autre pour pousser vers la désescalade. Parce que c'est incroyable comment le discours de guerre est en train de monter, de monter, comment commence à s'installer même le discours d'haine contre tout ce qui est Rwanda, dont je parle à partir du Congo, évidemment. Ce sont des tensions qui ne profitent à personne. Et donc, je pense que Lourenço, le président angolais, qui est quand même respecté dans la sous-région, qui est proche des deux présidents, donc de Tshisekedi et de Kagame, pourrait jouer un rôle. L'Union africaine et le président Macky Sall ont été bien inspirés de le désigner pour faire établir le dialogue, parce que c'est l'unique façon de s'en sortir. Onesphore Sematumba, merci.